c'est parti pour une petite séance d'abdos express. Donc, on n'a besoin que d'un tapis et tout se passe sur le dos. Ok, allez, vous allez dérouler votre colonne vertébrale. On va commencer pied largeur bassin. On va commencer par prendre une grande inspiration. On allonge les bras loin derrière, on se grandit bien, on prend l'habitude de serrer son nombril. On expire, on relâche. Encore une fois, on inspire, on tire au maximum. On expire, on relâche. Vous ramenez les genoux à la poitrine, attrapez vos genoux, inspirez. Son genou soufflez, mettez-vous en boule. Encore une fois, on inspire et on se remet en boule, on souffle bien. On va reposer la tête, pied largeur bassin ou genou poitrine si vous avez mal au dos. Main derrière la tête, dégagez bien le menton de la poitrine, ouvrez les coudes. Relevez le buste en deux temps, ici, monte, monte, reviens, reviens. Souffle en haut, inspire en bas. Dès que vous décollez la tête et les épaules, vous rentrez le ventre plus. Il faut vraiment que les lombaires soient aimantés au sol. Et vous regardez bien le plafond. Souffle. Reviens. Ne repose pas vraiment la tête sur le retour, mais ne tirez pas sur la nuque. Allez, contracte. Contracte, abdos du haut. Et on n'oublie pas de rentrer le ventre. On va chercher les muscles profonds. Souffle. Inspire. Allez, contracte. Contracte. Reviens. Encore une fois. Lève. Allez, sur un temps. Et en haut, en bas. Contracte. Encore, souffle, souffle. Allez, et vraiment rentrez le ventre tout le temps, je vous dis tout le temps, hein, mais il faut vraiment créer comme une petite barrière. Allez, encore, 8, souffle, encore, 4 fois, gardez les coudes toujours bien dégagés, le menton loin de la poitrine, regardez bien là-haut, hop, encore une fois, 3 petits, insiste, 3, 2, et replace, et serre ton nombril. Encore. 3, 2. Encore. Souffle, souffle, souffle. La même chose. 3, 2. Replace encore. 3, 2. Allez. Contracte, contracte, contracte. Encore une fois. Souffle. Allez, un temps, on est reparti. Et 8. Souffle. Allez. Hop. Encore. 4 fois, 4, 3, 2, attention, que des petits, non-stop, et lève, lève, allez, sans forcer sur la tête, à la force des abdos, rentre le ventre, sentez que le dos est bien scotché au sol, souffle, souffle, allez, on peut rester deux séries, intense, ça repart, en bas, en haut, souffle, allez, pas de creux là, il faut vraiment serrer. 4, 3, 2, petite dernière série. Ha, ha, souffle, souffle. Allez, contracte, contracte encore. 8, 7, 4 derniers. 4, 3, et vous gardez la position sans forcer. Menton loin de la poitrine, coude dégagé, nombril aspiré. On tient 8 temps. 8, 7, 4 temps, 4, 3, et relâche. Grandissez-vous, les bras loin derrière, on inspire bien, et vous relâchez. On passe aux abdos du bas, et on va se placer genoux poitrine. Enroulez deux bassins, croisez les chevilles. 3 possibilités pour le placement de bras. Soit main sous les fesses, pour faire comme un petit coussin de départ. Bras le long du corps, ou... on reprend main derrière la tête pour re-solliciter les abdos du haut. Attention toutefois au cou. Allez, on enroule sur un temps. Alors, ce n'est pas que le fait d'enrouler. Il faut activer vos abdos. Donc, pour cela, comme d'habitude, on rentre le ventre, on souffle sur l'effort. Donc, l'effort, c'est quand vous basculez le bassin. Souffle, inspire. Alors ici, on fait attention à la réception du dos sur le retour. Il ne faut pas que ça claque. On ne reposera d'ailleurs pas les pieds au sol. Encore. Ne crispez pas vos épaules. Et gardez toujours dans l'idée qu'il faut rentrer le ventre hein, sur chaque mouvement pour aller chercher les abdos profonds. Allez encore. 4,
3, 2, 3, petit, 3, 2, replace, souffle, 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 inspire, 3, 2. Donc ce n'est pas que de l'élan, ce n'est pas que le fait de ramener les genoux. Il faut vraiment aller chercher les abdos du bas, les abdos profonds. Donc la sensation, c'est toujours l'impression d'enfoncer le dos, de prendre appui ici contre le tapis. Encore, souffle, souffle, souffle. Allez, 3, 2, encore, contracte, contracte, contracte. Allez, 3, 2, encore une fois, souffle. Allez, un temps, on est reparti. Et 8, 7, allez, sans reposer les pieds. Donc, soit main sous le bassin, soit bras le long du corps. Attention aux creux qui pourraient arriver dans le bas du dos sur le retour. Ha. Ou alors, de nouveau, main derrière la tête, mais attention au cou, hein. Souffle. Allez, enroule, replace. Encore 4. Encore 2 fois. Souffle. On reprend 3 petits. 3, 2. Encore. Souffle, souffle, souffle. Inspire. 3, 2. Encore une fois. Ha, ha. Et un temps, on est reparti. 8. Souffle. Souffle. Encore 4. 4. Encore 2 fois. Hop. Allez, que des petits. Et enroule. Enroule. Alors, si ça va trop vite, on prend le temps. Et si ça va, on garde le tempo. Hop. Hop, encore. 8. 7. Souffle. Encore 4 fois. 4. 3. Et dernière série, doucement et vite. Allez, souffle, souffle. Encore 4, 3, 2. Le dernier, on repose les pieds, largeur, bassin. Grandissez-vous les bras très loin derrière. On inspire. Et on va replacer les mains derrière la tête. Vous êtes pied largeur bassin, encore gainé forcément. Ici, on va croiser épaule-genou opposée et alterner. Ici, épaule-genou, pose, épaule-genou, pose. Souffle, inspire. Donc là, vous ramenez bien l'épaule gauche vers le genou droit et inversement. Hop. Hop. Donc, vous gardez bien les coudes dégagés. Le but, ce n'est pas de fermer le geste et d'aller chercher le genou avec le coude, c'est une direction, ce n'est pas un objectif. Encore, croise. Donc là, vous ne détachez pas du tout le bas du dos. De toute façon, si vous gainez, ça ne va pas bouger. Détachez bien. Épaule omoplate, reviens. Souffle. Essayez de ne pas poser la tête à chaque fois. Gardez toujours le visage dégagé. Allez. Pour éviter de reculer, puisque c'est un mouvement qui risquerait de vous faire reculer à chaque fois, posez vos pieds à chaque fois près des fessiers. Si vous mettez les pieds trop loin, par exemple ici, vous allez reculer à chaque fois. Ha. Allez, souffle, souffle. Encore 4 fois, 4. Encore 2. Petit reste en répétition. Reste, reste. Alors, serrez bien vos abdos. 3, 3. Échangez, petit, reste. En petit détail, pensez à mettre vos pieds flex pour être gainé jusqu'au bout des doigts de pied. Changez, restez. 4, 3, on change. Souffle, souffle. On change. 4, 3, serrez toujours. On change. 4, 3, deux temps de chaque côté. Et 1. Alors si ça va, 1, 2. On essaie de ne plus poser les pieds au sol. Et commencez à allonger. Allonger. Sans claquer les genoux. Si c'est un peu dur, vous allez un petit peu plus haut. Si ça va, vous descendez un tout petit peu. Mais attention à ne pas détacher les lombaires. Hein. Si c'est trop dur, vous restez plus fléchi. Si ça va, allez. Souffle. Alternez en escalier. Ha. Ha. Donc, si c'est un peu dur, vous le faites plus fléchi. Et si ça va, vous faites en extension sans claquer les genoux. C'est bien talon pied flex. Hein. Hop, hop. Encore. Et souffle. Inspire. Encore. Hop, hop, hop. Allez, pour.
7, encore 4, 4. On reprend deux temps de chaque et 1, 2, 1, 2, encore. Souffle, serre bien le nombril comme d'habitude encore. Souffle. Encore. Alterne, dernière série. Mais attention, on enchaîne, donc il n'y a pas de pause. Hop, hop. Allez, souffle, inspire encore. Vite, commence à monter les jambes petit à petit vers le plafond. 4, 3, 2, croisez les chevilles. Soit vous gardez les mains derrière la tête, soit vous posez bras le long du corps, soit mains sous les fesses. Relevez le bassin vers le plafond. Donc ici, on reprend les abdos du bas, les muscles profonds à condition de bien rentrer le ventre, hein, forcément. Et là, vous n'allez pas enrouler. Vous allez sur le plan vertical, vers le plafond. Et la sensation, c'est je rentre le ventre, je pousse le dos contre le tapis, je détache un petit peu les fesses et je souffle. Alors surtout, ne secouez pas les jambes. Ça, ça ne marche pas. Il faut vraiment que ça parte ici. Hein. Encore. Le mouvement n'est pas très grand. Pousse. Et n'oublie pas de souffler. Encore. 8. 7. Encore 4 fois. 4. Hop. Encore 2. Souffle. On accélère. Lève. Lève. Hop. Hop. Donc attention à la réception. Même chose. Il ne faut pas que ça claque au sol. Attention à votre dos. Hein. Allez, contracte. Contracte. Encore, encore. Lève. Lève. Souffle. Hop. Hop. Encore. 8. 7. Souffle. 4. 3. On essaye tout petit. Et lève, 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 lève. Alors si ça ne marche pas, c'est trop dur, vous le faites plus lentement, mais ne vous arrêtez pas. Allez, hop, hop. Voilà, on peut placer les bras le long du corps. Si on veut corser, main derrière la tête. On prend doucement et lève. Lève. Souffle. Allez, attention à la réception ici. Hein. 4. 3. 2. Encore une fois. Allez. Accélère un peu. Lève. Lève. Voilà, donc si vous tenez la tête, vous regardez vos pieds. Ça va vous éviter de ramener le menton vers l'avant. Sinon, vous gardez bien les bras au sol ou bien sous les fesses. Dernière série. Tout petit. Lève, 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 lève. Allez, petit, serre toujours. Respire. Allez, petit, 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 petit. Et encore 4, 3. Et relâche. On récupère un peu, on allonge les jambes au sol. Placez les bras très loin derrière. Inspirez, mettez vos pieds flex. Soufflez. Relâchez encore une fois. On inspire bien. On relâche. On souffle. Ramenez les genoux à la poitrine. Faites une petite bascule. Hop là. Et on termine avec du gainage. Planche. À plat ventre. Alors, vous allez vous placer sur les avant-bras. Pieds largeur bassin. Vous allez vous faire une planche. Abdos serrés, fessiers serrés. Poussez les talons vers l'arrière, donc pas de mouvement en avant par exemple. Et si c'est trop dur sur les pieds, mettez-vous sur les genoux, chevilles croisées, pas de fesses en l'air, on reste engagé. Donc la ceinture de force, elle est bien présente, bien engagée, il faudra bien serrer les fesses. Allez, on y va. 3, 2, 1, go. Donc les séries vont être courtes. On aura quelques étirements à faire entre deux. Regardez un point entre vos mains. Décrispez bien vos mains également. Respirez bien. Allongez votre cou. Serrez pour ne pas avoir l'impression de tout prendre dans les épaules. Allez. Encore un petit effort pour 4. 4, 3, 2. Posez. Genoux pointe. Retournez bien les orteils. Allez vous asseoir sur vos talons. Allongez les bras très loin devant. Posez votre front et tirez bien vos fessiers. On se replace. Avant-bras, serré abdos, fessiers. 3, 2, 1, gainez. Poussez bien les talons vers l'arrière. Si vous êtes ici, vous allez avoir un mouvement moins bien placé, forcément. Et moins stable, surtout. Serrez tout à bloc. On respire. Encore 8, 7, 4 temps. 4, 3, 2,
pose, genou pointe. On s'assoit, on allonge les bras. Si genou joint, ça ne va pas, vous ouvrez un peu les genoux hein, sur votre étirement. Dernière série. Allez, avant-bras, pied largeur bassin. Vous rentrez le ventre. 3, 2, 1, gainez. Serrez les fesses, respirez bien. Si ça ne va pas, mettez-vous sur les genoux. Mais attention, les fesses sont serrées. Allez, on s'accroche. Décrispez vos mains. Respirez bien. Allez, encore. 4 temps. 4, 3, 2, et relâche. Pose genou pointe. On va s'asseoir sur les talons. On allonge bien les bras. On étire dos fessiers encore. On déroule. Passez accroupi. On déroule. On termine debout. Allez, on se met à l'écart. On plie un peu. On allonge la taille. On change de côté. Une première grande inspiration. Relâchez. Et une deuxième. On inspire, on grandit. Et hop, on relâche. Et n'oubliez pas de vous hydrater. À la prochaine.